De mieux en mieux. La semaine dernière, il était traîné en justice par un prince arabe pour escroquerie. Et aujourd'hui, Michael rencontre Dieu, tout simplement. Mais alors là, c'est pour de vrai, hein, on ne rigole pas du tout. Ancien témoin de Jéhovah, le chanteur de 50 ans vient donc de se convertir à l'islam. Ça se serait passé vendredi dernier à Los Angeles, guidé par son frère, Jermaine, déjà converti à la foi islamique depuis de nombreuses années. Michael a fait sa shahada, la déclaration de foi des musulmans. Il a aussi, tradition oblige, changé son prénom qui de Michael devient Michael avec deux E. Tout de suite, ça fait beaucoup plus spirituel. Mais si, la preuve, c'est que dans l'affaire qui oppose Michael Jackson à Abdullah bin Ahmad al-Khalifa, le fils du sultan de Bahreïn, il semble qu'un arrangement ait été trouvé à la dernière seconde, évitant à l'ex-roi de la pop de comparaître devant un tribunal à Londres pour une escroquerie de 7 millions d'euros quand même.